Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi 4 janvier. Pour moi, c'est la reprise du boulot. Je me suis levée assez tôt ce matin parce que j'étais un peu stressée du coup d'allumer l'ordi. J'ai extrêmement mal au ventre. Enfin, c'est top. On est dans un bon mood pour débuter la semaine. Je pensais avoir beaucoup de choses et finalement ça va. J'ai tout géré ce matin assez tôt. Par contre, il y a une petite secouille dans un dossier sur une erreur. Truc à la con, mais qu'il va falloir demander du coup. Enfin, c'est la faute un peu de personne. Sauf qu'il faut demander en fait à l'associé de le prendre en charge par le cabinet pour pas le faire supporter au client. Et voilà, la personne c'est une pince et une personne très caractérielle qui hurle beaucoup sur ses employés. Donc j'appréhende énormément en fait de devoir le demander, même si c'est pas de ma faute, parce que je sais que pendant 15 minutes on va m'hurler dessus. Donc du coup le début de semaine a été voilà, bon. Alors il est malade, donc je vais être un peu tranquille là tout au long de la semaine, mais quand faudra l'annoncer, bah il faudra bien l'annoncer. Donc c'est super, voilà, je suis super en forme. Pour avoir des teintes un peu plus positives en ce lundi matin, je vais aller faire un petit café du coup avec mon mousseur à lait. J'adore faire des cappuccinos du coup et des lattés en ce moment. Il faut que je tourne mon update lecture, il y a plein de choses parce que c'était ma semaine du coup un jour un graphique, donc le vlog de la semaine dernière. Il faut que j'exporte et que, enfin, que je upload, que je monte et que j'exporte mon vlog, que je tourne update lecture et que je vois du coup pour mettre en place certaines choses pour le compte et la chaîne ce matin. J'ai pas mal de petits trucs à gérer comme ça, donc voilà le programme. Hey, j'ai tourné deux vidéos, mon update lecture et du coup la première vidéo pour lancer mon challenge de lecture des classiques. Et j'ai mis mon petit pull que j'ai fini de tricoter, je voulais pas montrer donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Il est trop cool, j'ai eu un petit souci au niveau du col qui avait pas été pris au bon moment, enfin au bon endroit, mais finalement voilà, ça se voit pas trop une fois porté, donc je suis très contente. Il est extrêmement chaud, je vais aller vous montrer dans le miroir. Voilà du coup mon petit pull, il est assez court et moi j'ai rajouté 10 rangs, donc je pense qu'après avec la comment avec le poids ça va finir par se s'abaisser un petit peu, mais vraiment je suis assez contente et j'aime beaucoup la couleur, ça change, j'ai pas du tout de pull comme ça, donc je suis vraiment contente d'avoir. Bah voilà, c'est un pull que j'ai tricoté, quoi. Donc c'est hyper gratifiant de pouvoir le porter. Et vraiment, il a une couleur super chouette. Donc bien contente. Hello, pause déjeuner. Ce matin, du coup, j'ai tourné deux vidéos, mon update lecture, le lancement du challenge. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Excusez-moi si je radote. J'ai fait mes vignettes pour YouTube. Je les ai montées du coup et exportées. Il y en a une qui est en train de charger sur YouTube. L'update lecture de lundi que du coup je monte dans la journée et que du coup je poste dès qu'il est monté. Donc j'ai fait ça et j'ai fait pareil du coup pour le challenge qui attend du coup que YouTube ait terminé le téléchargement. Et puis, là du coup, j'ai fait plein de trucs YouTube et tout aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette parce que du coup, toutes mes tâches, on va dire, parallèles au boulot et à mon quotidien seront faites, donc YouTube, Instagram, et ça c'est chouette. Là du coup, je vais faire quelques petites photos des lectures de la semaine, je pense. Comme ça sera fait via une luminosité qui est pas dingue, mais en fait, je pense pas que ça va s'arranger dans la semaine, donc je pense que voilà, je vais faire ça. J'aimerais bien faire une petite photo avec en fait tous mes livres de poche du coup pour pouvoir annoncer le challenge. Je pense que ça va être sympa de le faire sur Instagram. Et puis les quelques livres que j'ai lus après, ça va être assez rapide. Parce qu'en soi, je suis pas certaine ça de vous le présenter sur Instagram. Alors ça, je vais le faire, ça, je vais le faire. Je vais peut-être faire Lady Mechanica aussi. Call Game, j'attends de voir. Et bon, si, il y a encore quand même un peu de monde. Donc bon, je me dis, je vais me faire une petite session lundi, vu que là, du coup, j'ai pas trop de boulot. J'ai pas vraiment de taf avec le boulot. Les références sont pas là, malade ou en vacances. Donc je pense pas qu'il y ait grand-chose qui va me tomber dessus. Donc en fait, autant faire ça aujourd'hui. Et puis comme ça, je serai tranquille plus tard. Là, je mets des petites vidéos. J'aime bien faire ça, en fait, pendant que je tourne mes... Enfin, pendant que je prends mes photos. Donc là, j'ai un petit vlog de Madame Chachali. J'ai le carnet de bord du
coup, d'Estelle que j'ai pas lu, j'ai celui de Manon Vibration Littéraire et celui de Triple L de Mag. Voilà, j'ai plein de trucs à regarder, ça va être chouette. Ah, j'ai celui de Maya aussi qui a l'air trop chouette, ça. Elle avait fait des petits sondages en fait, et on choisissait sur Instagram ce qu'elle allait faire de sa journée, donc ça va être trop cool. Donc voilà, j'ai des trucs sympas à visionner pendant que je fais mes photos, et voilà. Hey, fin de journée, grosse fatigue, j'ai fait plein de trucs. Il fait très gris aujourd'hui, bon il le faisait déjà dans la journée, mais là d'autant plus. Donc j'ai mis la lumière, j'ai fait toutes mes photos entre midi et deux. J'ai bossé un petit peu, mais il n'y a rien de nouveau, donc du coup je vais pas me plaindre. J'ai du coup préparé toutes les vidéos et j'ai même monté mon vlog, donc voilà, mais je crois que j'ai un problème de place, faudra que je vois ça avec mon chéri. Là, je vais aller prendre un petit goûter, je vais me faire une petite infusion et prendre une clémentine, je pense. Je vais pas très fin, donc je vais pas faire des petits roulés à la cannelle. Et je vais choisir ma prochaine lecture pour du coup le début de semaine. Je me suis pas trop posé la question, à vrai dire, pour le moment, mais je sais pas trop quoi lire. Petit goûter dans ma tasse Alice que j'aime trop, une petite clémentine et ce thé vert du coup. C'est litchi rose et un autre truc. Bon, je me suis décidée et je vais donc lire Cottage Phantom et Guet-apens de Anne Granger, qui est donc l'auteur de la saga Un intérêt particulier pour les morts. J'ai sorti le petit marque-page trop beau que Léa m'a offert, qui va parfaitement avec les petits mystères, les enquêtes et tout ça. Et voilà, je vais commencer cette lecture parce que c'est vrai que j'ai... En fait, il y a plein de trucs que je veux lire, mais je sais pas par où commencer, donc enfin... Il y a plein de trucs et en même temps, il n'y a plus beaucoup de trucs. En fait, je me suis rendu compte que j'ai plus grand-chose dans ma pile à lire, en fait. J'ai plus beaucoup de trucs à lire. Enfin, j'en ai, mais c'est pas des lectures immédiates. Par exemple, j'ai tous les Hercule Poirot des éditions du Masque que j'ai racheté d'occasion. Mais c'est pas des lectures, en fait, on va dire, urgentes ou... Bah voilà, c'est, enfin, en plus de ça, les Hercule Poirot, c'est les trois premiers. Moi, j'ai lu le dernier, donc c'est pas très urgent. J'ai un troisième tome de Rendez-vous avec le crime, donc la saga des détectives Yorkshire que j'aime beaucoup, que je lirai, bah, je pense, courant mois de janvier, mais c'est encore pas vraiment une priorité. Et en fait, dans les livres que j'ai à lire là, que ce soit en service presse ou en achat que j'ai fait récemment, bah j'ai plus grand chose, j'ai vraiment plus grand chose. Bon alors là j'ai beaucoup d'épreuves non corrigées Charleston, mais je vais en lire une ou deux cette semaine, mais j'ai pas envie de les attaquer là dès lundi. Mais vous voyez, j'ai pas énormément de trucs en fait. Enfin là matériellement j'ai plus rien. Mes livres que j'ai reçus à Noël, bah des 4-5 que j'ai reçus, bah il me reste 2 à lire. Donc voilà, j'ai bien lu en fait, j'ai bien vidé ma pile à lire, donc il reste pas grand chose. Et j'étais tentée de commencer Anna Karenine, mais je vais vous attendre quand même. Je vais attendre que vous regardiez la vidéo sur le challenge, les templates Instagram, qu'on papote et tout ça. Donc je pense que je commencerai ça la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, du coup, Cottage, Phantom et Guet-apens, j'ai hâte de lire ça, de découvrir ça. Je pense que ça va être chouette. Et puis voilà. Je survalide ce petit thé litchi, rose et gingembre. Il est délicieux. Dans mon petit mug Disney, en plus, trop contente. Hey, je sens monter la crise d'angoisse, j'ai la poitrine qui se serre, j'ai du mal à respirer, je suis vraiment pas très très bien. Du coup j'ai repris ma lecture, donc Cottage Phantom et Guet-apens, je suis page 127 et j'aime beaucoup ma lecture, c'est vraiment très sympa, j'aime bien ce que je suis en train de lire. Et là je vais aller me faire une petite infusion, c'est un rooibos, gingembre, orange et abricot, ça a l'air très chouette. Donc voilà, je continue de goûter les petits thés que j'ai reçus pour Noël en cadeau de ma belle famille et je vous en dirai des nouvelles. Du coup c'était la route des comptoirs, le thé que j'ai bu à 4h qui était,
comment ça s'appelle, litchi, rose et gingembre, qui était très bon. Donc voilà, j'ai hâte de goûter celui-ci. On est du coup dans un petit cozy mystery qui a débuté d'une manière assez brouillonne, honnêtement. Je trouve qu'il est quand même pas très aisé de réussir à faire une bonne entrée en matière quand on arrive au milieu d'une scène. Vous savez, c'est comme au théâtre quand une scène est en train de se dérouler sous vos yeux. Alors ça donne beaucoup d'action, beaucoup de dynamisme en fait pour attaquer le roman. Et c'est toujours, moi j'aime beaucoup faire ça, entamer un roman en fait dans une conversation ou ce genre de choses. Mais ça demande une certaine adresse quand on essaie de jongler avec plusieurs personnages et plusieurs situations un petit peu cocasses. Là, le début est un petit peu fouillé. Honnêtement, j'étais un peu, j'irais pas jusqu'à dire que j'étais perturbée, mais en tout cas, voilà, c'était pas ultra évident, donc un petit peu de mal à rentrer dans les 20-30 premières pages. Mais ensuite, ça roule toute seule. En gros, on suit Lucas qui a l'air d'être un peu le jeune entrepreneur avec dans sa merco, qui en fait a un rendez-vous dans une grange miteuse où il enfonce ses chaussures en cuir dans la boue, les excréments de vaches et tout ça, et qui arrive en fait dans une vieille ferme où il y a de la ferraille entassée, etc. Et il découvre un corps et il s'enfuit et il panique, il appelle pas la police, donc nous on comprend pas trop pourquoi il appelle pas la police, il a rien à voir avec tout ça quoi. Et à côté, on suit Jess qui est donc qui enquête dans ce petit village et qui va du coup aller mener les interrogatoires, que ce soit dans le haras où elle va interroger tout le personnel équestre, où elle va essayer de savoir ce qui se passe. Et on suit Ellie Smith qui est le vieux fermier en fait propriétaire de cette grange où a été retrouvé le corps, qui est très grognon, un peu bizarre, enfin vraiment inadapté socialement. Et là on comprend qu'il est un peu mystérieux ce Ellie Smith, puisque un drame a frappé sa famille en gros dans l'ancienne maison qui était juste à côté de la grange. Son frère jumeau a tué au fusil de chasse son père et sa mère. Il s'est pendu en prison et c'est Ellie qui a découvert tout ça. Et du coup, en fait, on suit aussi Ellie, parce qu'on a un narrateur omniscient. Et en fait, Ellie, tranquillou, il mange avec les fantômes de ses parents et de son frère. Donc, il a pas l'air de tourner extrêmement rond, hein, honnêtement. Et en fait, j'aime bien ce côté fantôme. Bon, après, c'est dans le titre, vous allez me dire, mais je pensais que ce serait pas forcément aussi éloquent. Et c'est très chouette parce que du coup, pour résoudre l'enquête contemporaine à nos personnages, eh bien ils vont aller fouiner dans le passé, et cette affaire en fait du meurtre des parents et du coup du suicide de son frère. Donc on replonge dans les archives un peu cold case, et j'aime beaucoup en plus. On n'est pas trop du coup dans l'intime des personnages, mais voilà, on en apprend petit à petit. C'est lent, mais il se passe aussi plein de trucs et c'est vraiment très agréable à lire, ça se lit tout seul. Donc c'est une lecture vraiment plutôt chouette et voilà. Donc je suis contente de lire ça. Je vais aller faire mon petit rooibos et je vous prendrai plus tard. Remède contre les crises d'angoisse, une petite boisson chaude, un bon livre, bon un bon livre qui parle de meurtre, mais bon, on va dire que c'est un cozy murder, et un bon petit cookie. Hello, on est mardi, je m'apprête à faire mon petit café parce que ce matin c'est très difficile pour vous dire à quel point je suis bien réveillée. Ma mère est partie de la maison, elle m'a dit à tout à l'heure, apparemment je lui ai répondu et je viens de l'appeler en lui disant mais tu pars, t'es où? Enfin en fait je suis descendue, je l'ai pas vue, je me suis dit mais elle est où? Et elle me dit mais attends tu m'as répondu tout à l'heure, donc j'étais visiblement pas très réveillée. Moi c'est pas la forme parce que mon anxiété est très extrême depuis hier. Je souffre beaucoup, j'ai du mal à respirer, j'ai un poids sur la poitrine et je suis vraiment pas bien en fait. Ce matin j'ai bossé très tôt, du coup forcément le sommeil m'a quitté, donc voilà. Là je me fais un café, j'en peux plus et je continue du coup ma lecture de Phantom Cottage et Guet-apens. C'est chouette, mais pour le moment c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas un truc que je trouve génial. Donc voilà, ça me distrait pas forcément. Je pense qu'entre temps je vais me faire une épreuve non corrigée du coup des lectrices Charleston. Je vous parle, je suis en train de faire mon petit café avec mon mousseur à lait, je vais vous montrer. Regardez-moi cette mousse magnifique. C'est pas beau ça. Alors, entre midi et deux, je vais manger très très rapidement et je vais aller faire un petit tour à Ikea. Avec ma mère, on a deux trois trucs à acheter. Ce matin, ça annonçait la couleur de la journée, mais
je mange une pomme le matin et du coup j'ai un truc pour découper les quartiers d'un coup. Et en fait, il s'est cassé dans la pomme. Donc à genre 6h du mat, j'ai dû enlever les lames enfoncées dans ma pomme. C'était génial, vraiment un bon moment de plaisir. Et voilà, là, du coup, je suis en train de me poser parce que vraiment, j'en peux plus. Mes angoisses sont un peu extrêmes là, donc voilà, j'essaie de souffler avec mon petit café. Je vais faire un petit tour IKEA, je verrai si du coup je vous fais quelques plans ou pas. J'ai vu qu'il y avait une parure de lit qui était en solde. Donc du coup, voilà, ça sera mon petit craquage. En plus de ça, j'ai eu des sous par ma mamie pour Noël qui m'a dit « tu te prends un truc d'intérieur ». Voilà, c'est la consigne de ma mamie, donc bah moi j'obéis, hein, j'obéis toujours aux consignes. Sinon pas grand chose, je vais retourner à ma lecture. Je pense pas tourner aujourd'hui, je suis trop mal pour le faire, donc voilà, je verrai le reste de la semaine. Du coup, pour celles qui ne consomment pas de lait de vache, on m'avait beaucoup conseillé. En fait, les premiers tests que j'avais fait, c'était avec du lait d'avoine. Mais c'était pas un lait d'avoine super, je pense. Et tout le monde m'a dit, le soja, tu vas voir, ça mousse beaucoup. Sauf que moi, je veux pas consommer énormément de soja. Et donc là, j'ai pris, c'est le Oatly Barista Edition. Et regardez cette mousse. Et donc, c'est bien du lait d'avoine. Moi, j'aime bien le lait d'avoine parce que je trouve qu'à la chaleur, il n'y a pas de goût qui ressort. Et non, mais regardez la mousse. Comme elle est épaisse. Donc vraiment là pour le coup avec le mousseur c'était juste parfait. Voilà, donc je pense que je vais rester sur celui-là parce que j'ai pas trop envie de rajouter du soja dans mon alimentation. Après le coup de pomme qui se casse dans ma pomme avec des bouts de lame, la tasse de café renversée sur ma table de nuit. Donc là j'ai des bouquins qui sont remplis de café, ma housse de couette est dégueulasse, j'ai du café partout. Bon, j'ai fait tout mon petit rangement. J'ai tout nettoyé, ça pue le café dans la chambre. J'aime bien le café, hein, j'en bois souvent, mais pas forcément quand c'est imprégné dans mes draps. Donc bah là, j'ai tout passé à la serpillière, aux lingettes. J'avais vachement prévu de faire ça. Je suis ravie. C'est la journée, hein, de toute façon, ça a commencé. En fait, je l'ai dit ce matin, ma meilleure amie Julia, quand j'ai explosé mon découpeur de pommes que j'ai dû soustraire et extraire chaque lame cachée dans la pomme, je me suis dit que ça serait une mauvaise journée, bah c'est confirmé, hein, le coup du truc, voilà. Je bois tout le temps, c'est posé loin sur moi, sur ma table de chevet. Je peux même pas vous dire comment c'est arrivé. Là, faut que j'enlève, du coup, que je défasse mon lit, parce que forcément, ça a coulé sur mon lit. Et je pense que ça a taché ma couette, sauf que laver une couette et la faire sécher, je pense que ce soir, on va dormir avec des plaids, à mon avis. En vrai, je devais aller à IKEA, je sais même pas si je vais y aller. Genre, je me dis, vu ma machin, je vais avoir un accident de voiture, quoi. Je vais faire partie du 1 Français sur 5 millions ou 500 000 ou je sais pas trop quoi qui aura un accident aujourd'hui. Persuadée. Bon, du coup, pour me calmer, j'ai mis le vlog de Manon à vibration littéraire, du coup, en fond. Sa petite voix m'apaise beaucoup et me réconforte, mais là, c'est pas la joie. Donc bon, j'espère que ma couette est pas trop endommagée. Je suis de retour de IKEA, du coup j'y suis allée, c'est encore passé plein de péripéties, c'est définitivement pas ma journée, donc aujourd'hui je pense honnêtement pas faire de sport parce que je suis persuadée que je vais me blesser, mais vraiment j'ai failli mourir 30 fois quand j'étais sur la route, enfin c'est l'enfer, c'est pas ma journée. J'ai quand même trouvé ce que je voulais chez IKEA, je vous ai fait quelques petites vidéos, en fait j'avais vu à la base, j'étais partie de cette parure-ci, que je pense vous connaissez chez IKEA, qui est beige avec des petites arabesques blanches, que j'aime bien, mais que je trouve en fait toute seule un petit peu fade. Mais j'aimais bien quand même cette base-là, et puis c'est une parure qui quand même à 19 euros, vous voyez, c'est pas très très cher. Et à la base, j'étais partie pour faire du beige et une couleur un petit peu verte kaki avec des tons voilà, de vert un petit peu. J'aime bien quand même varier les couleurs parce que moi, ça me permet aussi de varier d'ambiance dans ma chambre. Et je voulais pas retomber dans le même écueil du jaune moutarde parce que bah, je l'ai fait en automne et j'ai laissé quand même longtemps ma déco d'automne. Donc voilà, je voulais un truc pour changer. Et puis après, au fur et à mesure, j'étais dans le magasin, je me suis dit...
vert, c'est chouette, mais ça se rapproche un peu de ce que j'ai déjà, étant donné que j'ai beaucoup de parures qui sont bleues. Enfin, j'ai beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup de parures, hein, parce qu'en fait, là, j'en rachète parce que j'ai changé de dimension de lit, c'est pour ça. Et j'aime bien varier quand même selon les périodes. Enfin, voilà, c'est pour ça que ça paraît que j'en achète beaucoup, mais c'est qu'en fait, j'en ai pas parce que j'ai changé de lit récemment. Et du coup, il n'y a plus rien à la taille. Donc, ça explique un petit peu cela. Et en fait, la parure que j'ai, elle est bleu clair et un petit peu verte en fait. Et dans mes accessoires, c'est un peu vert d'eau bleu. Donc, je me suis dit que ça ne me changeait pas trop finalement de ce que j'avais et que j'avais vraiment envie de quelque chose qui diffère. Et du coup, j'ai trouvé en fait ces petites taies rectangulaires, donc pour mes petits oreillers que je mets devant. Qui est bordeaux, enfin un bordeaux lit de vin quand même, c'est un peu une teinte de vieux rose dedans. Oh, regardez comment ça match, et voilà, en velours. Donc je les ai trouvées très belles et bah, je me suis dit franchement, go, allons-y, on va partir là-dessus. Et l'association avec le beige, du coup, je trouve que ça rehausse vraiment cette couverture qui est un peu fade en fait, toute seule. Et du coup, j'ai pris un petit beige pour mettre sur mon gros oreiller qui est au milieu. Et j'ai retrouvé un plaid qui était en solde et qui a l'air immense. Et ça, c'est plutôt chouette parce que mon chéri, il fait 1m95. Donc lui, les plaids, souvent, ça lui sert un peu à rien, quoi. C'est comme s'il avait un petit napperon sur lui. Et j'ai trouvé donc cet immense plaid qui est, je pense, un couvre-lit à la base. Qui fait 150 par 250, c'est de la polaire et du coup voilà, c'est un espèce de vieux rose, un peu bois de rose que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que ça serait parfait pour changer et vu que c'est du bordeaux et du bois de rose et que c'est des petits détails et pas toute la parure qui est rose, mon chéri pète pas trop un plomb, ça va. Et ça me change aussi quand même du rouge que j'avais là pour Noël. J'ai pas fait un total rouge parce qu'il y avait quand même des couleurs claires, une dominante de blanche, les oreillers étaient de base blanche en plus de ça, donc c'est pas comme si j'étais sur les mêmes teintes. Mais voilà, du coup, mes petites trouvailles. Et j'ai racheté, du coup, bah, mon découpeur de pommes que j'ai cassé ce matin. Et une petite soucoupe, du coup, pour les savons, puisqu'on est passé en sans plastique à la maison. Donc, plus de savon, enfin, plus de bouteilles de plastique pour le shampoing, pour le gel pour les mains, tout ça. On n'est que au savon solide. Donc, du coup, voilà, c'était un peu mes petites résolutions de diminuer le plastique un peu partout. Et du coup, dans la salle de bain, bah, j'avais pas mal de stocks, parce que souvent, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je sais que moi et même ma mère, en fait, bah, si on reproduit ce qu'on a toujours vu, achète beaucoup quand il y a des lots, des offres promotionnelles, je ne sais pas, de plus un gratuit ou genre de trucs. Et du coup, j'avais énormément, énormément de jets de douche et de shampoing d'avance. Donc, en fait, tout 2020, on a limite tenu avec ce qu'on avait, sachant qu'en plus, moi, j'invertissais avec mon shampoing solide parce que ça fait un petit moment que je suis au shampoing solide. Donc voilà, du coup, c'est comme ça qu'on a éliminé le plastique et maintenant, on est en sans plastique. Voilà, à part pour le dentifrice, il faut que je trouve une solution. Et pour mon déodorant, mais déodorant, j'ai vraiment du mal avec les solutions qui sont bah, qu'on peut acheter en vrac et ce genre de choses. Ça, c'est vraiment un truc où j'ai du mal. Et le dentifrice, il faudrait juste que je commande parce qu'en soi ça me dérange pas, mais voilà, faut que je trouve une solution. Mais vraiment, déodorant, c'est le truc où pour le plastique c'est compliqué. Et sinon, voilà. Donc là, du coup, je vais faire tout le changement du lit et je vais essayer de repartir sur des bases positives pour cette dernière partie. Enfin, dernière partie, il est 14h, hein, pour cette partie de la journée parce que. C'est chargé émotionnellement. J'ai pris ma voiture tout à l'heure, j'étais en larmes, vraiment, j'en pouvais plus. C'est beaucoup de choses qui se greffent à toute la charge que j'ai. C'est pas grand-chose, hein, verser son café, c'est pas grand-chose, mais vraiment, ça, du coup, fait plein de petites complications à la con. Et comme quoi, quand on n'est pas bien, on n'est pas en mesure de gérer toutes ces petites complications, justement. Et puis voilà, je vais continuer à mettre des vidéos de Manon. Je fais ça depuis ce matin. Ça me fait du bien, ma petite Manon de vibration littéraire. Voilà, j'aime trop. J'aime trop cette fille. J'aime trop discuter avec elle. J'aime trop écouter ses vidéos. C'est un bonbon et on s'entend trop bien. Enfin, on a souvent d'ailleurs les mêmes avis sur beaucoup de choses, sur des faits d'actualité, sur plein de trucs. Et on a toujours des échanges super constructifs. Hein. J'aime trop discuter avec elle. Et voilà. Donc du coup, je vais la laisser en fond parce que ça m'apaise. Je vis beaucoup avec les copines en ce moment. Souvent quand je fais mes photos, c'est Estelle, c'est Angie de Madame Chachali et Magda de Triple L de Mac que j'aime beaucoup aussi.
Et puis à Manon, voilà. Et puis aussi Steph. J'écoute aussi beaucoup Steph de Pikiti, que je laisse pareil dans la voiture et tout ça. Souvent dans la voiture. Même quand je fais du sport, je me mets avec Steph dans les oreilles et voilà. Mais bref, allez go. Je vais m'occuper de tout ça et repartir sur des bonnes bases et ensuite finir mon bouquin. Et j'ai lancé du coup le challenge L'Empoche Classique. Je vous ai annoncé ça sur Instagram. Vous êtes nombreuses à avoir réagi. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui m'ont dit bah oui, mais si j'ai lu la moitié, nanani, nanana, bah changez, faites. Enfin vraiment, il n'y a pas de souci. Moi, je propose ça juste parce que perso, c'est des titres que j'ai pas lus et que j'en discutais avec mon chéri qui, lui, par exemple, jamais beaucoup lu de classiques, et il me dit bah c'est cool d'avoir un truc imposé parce que il y a certaines personnes qui savent pas par où commencer, et il y a des gens qui me suivent qui sont sur BookTube d'une manière générale ou sur Bookstagram et tout ça, mais il y en a aussi qui sont pas du tout sur ces communautés de livres et qui ont pas lu tous les titres et qui sont très contents, je pense, enfin j'espère, d'avoir des titres un petit peu imposés pour pas avoir se poser 500 questions. C'est un petit peu ça aussi le truc, parce que moi les challenges, on me dit lis un livre qui parle de, lire un livre qui parle d'eux, et ben au bout d'un moment, parfois j'ai pas envie de chercher et du coup ça passe à la trappe. C'est un peu bête, mais j'avais envie d'un truc assez systématique, assez simple comme ça, où on n'a pas besoin de réfléchir. Et dans le même genre, j'aime énormément le challenge que fait Alexia de My Book Vision, qui est un des comptes Instagram les plus beaux de tout Bookstagram, vraiment, et j'adore cette fille. Elle fait le challenge Read Christie, donc apparemment qu'elle fait depuis des années, et je me joins cette année parce que ça serait vraiment trop chouette. Il faut d'ailleurs ce week-end que j'aille acheter mon livre du mois de janvier. Et bah j'adore parce que c'est pareil, tu pourrais dire lire un livre d'Agatha Christie qui parle d'eux, et en fait c'est à toi d'aller chercher tout ça, et bah moi ça me découragerait. Et ce que j'aime bien avec les challenges d'Alexa, c'est que du coup bah t'as une liste, tu vas t'acheter le bouquin qui est sur la liste et tu réfléchis pas, tu lis, tu participes à la lecture commune, et c'est trop chouette. Donc voilà du coup pourquoi c'est une liste imposée, et variez-la si vous avez envie de la varier, et c'est cool. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente, vous avez super bien accueilli ça, et puis faut que je vois aujourd'hui pour comment mettre en place en fait la lecture commune. Je pense que ça va être un groupe de discussion sur Instagram à mon avis. Je vais faire mon post ce soir pour en reparler et puis noter les pseudos des filles qui veulent participer pour faire la conversation. Et après je sais pas trop si on se met des objectifs de lecture ou pas. Je sais pas, j'ai jamais fait ça en fait, dire on lit tant de chapitres, tant de trucs, je l'ai jamais fait, donc je sais pas si je le propose ou pas. Après, c'est tellement des briques que je pense que ça peut nous motiver de dire aujourd'hui on lit 50 pages, aujourd'hui on lit 50 pages, parce que clairement lire 50 pages dans ta journée, c'est pas grand-chose, hein. Tu vas aux toilettes, ça va vite. Enfin, ça va vite. Non mais je plaisante avec l'anecdote des toilettes, mais voilà, je pense qu'on peut aisément trouver. Enfin, moi je sais que même pendant les périodes vraiment chargées de partiel et tout, je lisais moins, beaucoup moins, mais je lisais quand même 50 pages dans la journée. Est-ce que tu peux lire 25 pages entre midi et 2 et 25 pages avant de te coucher? Et ça dure pas très très longtemps. Donc je vais peut-être voir si on peut diviser comme ça sur janvier en équilibrant avec les week-ends. Faut que je m'occupe de ça. Bon, allez, j'arrête de vous papoter. Mais mine de rien, ça me fait du bien de vous parler quand même, parce que là, je respire un peu mieux quand même. Donc finalement, c'est cool. Bon, allez, j'arrête de parler. Voilà, du coup, mon petit ensemble. Je suis trop contente. Les couleurs, ça va super bien. Donc voilà la parure, le petit coussin. Ah oui, le coussin, il coûtait 1,99 celui-ci. C'est Gurbi, je crois. Et la parure, j'ai pas le nom, mais vous la trouvez sur Ikea. C'est pas la meilleure qualité, mais après, 19 euros, bah voilà. On a aussi ce qu'on paye, c'est normal. Et avec les petits oreillers, j'aime trop. C'est trop douillet, j'adore. Bon, tout est rangé. Il me reste une partie de trucs. J'en ai profité pour Ikea, en fait, acheter un espèce de sac à normalement un linge sale qui est un peu rigide. Mais en fait, j'ai un coin à tote bag, à bordel, à trucs que j'utilise quand je pars en voyage, ce genre de choses, qui est empilé. Et en fait, j'en ai marre parce que ça s'écroule un jour sur deux et ça m'agace très fortement. Donc voilà, il me reste ça à faire. Mais voilà, je me suis dit que là, avant qu'il n'y ait plus toute lumière, j'allais vous montrer parce que j'ai reçu pas mal de petites choses. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors là, j'ai reçu un truc, c'est un peu dur. Puis il n'y a rien de marqué sur l'enveloppe. Donc je sais pas, peut-être que ça va être une surprise, peut-être que ça va être. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est mon chéquier, bah du coup, je vous le montre bien. C'est mon nouveau chéquier, super. Ça, j'ai vu que ça venait des éditions Inceptio. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en même temps, vu que du coup, j'avais vu avec Ophélie pour recevoir les nouveautés du catalogue.
Ils ont fait une série de partenariats, en fait, où vous pouviez, je crois, candidater. Mais moi, vu que j'étais déjà en partenariat avec eux, bah, ça s'est fait tout seul. Ah, j'ai aucune idée de ce que je vais regarder. Bah. C'est le tome 2. Oh bah mince, c'est pas le tome 2, c'est le tome 1 bah, que je dois lire en plus cette semaine, mais que j'ai reçu juste avant Noël. Bah ça c'est dommage. Bon bah je vais écrire à Ophélie. C'est vraiment une journée de raté pour moi. Mince, ça lui a fait des frais. Bon, je vais voir si je peux lui rembourser. Zut alors. Il n'y a pas de petit mot. Ouais, non, je pensais une petite erreur. Bon, bah du coup, pas de surprise. Et l'autre, ça, c'est une commande que j'ai faite du coup pour moi, mais aussi pour Manon, parce que ça va faire partie de son petit colis de Noël que je fais. Je lui ai interdit de regarder ce vlog. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. Ouais, c'est bon. J'espère qu'ils sont dans un bon état. Bon, il y en a un qui est... Voilà. En fait, c'est Je peux pas, j'ai tricot. Donc, c'est le bouquin sur lequel j'ai tricoté, en fait, le bonnet. Et qui regorge de beaucoup, beaucoup de patrons. Ça vous montre tous les points, etc. Voilà, il y a vraiment tout ça. Vous avez toute une liste bien détaillée et bien renseignée des points. Et il y a plein d'indications en plus, comment rentrer les fils, comment relever des mailles, vous avez bah, voilà, l'assemblage pour les bonnets, vous avez comment compter les rangs sur un tricot, rabattre les mailles, il y a tout et en fait, vous voyez, c'est des tutos comme ça. Et il est extrêmement bien fait, les patrons sont très chouettes et les indications sont très simples puisque on vous dit bah là vous allez avoir besoin de telle pelote sur fil d'art. Donc je pense que c'est voilà en partenariat avec fil d'art. Moi j'ai pas de problème parce que de toutes les laines que j'ai testées, fil d'art pour moi c'est vraiment les plus qualitatives, donc ça me dérange pas du tout. Et en plus de ça, là du coup j'avais pas lancé de tricot depuis mon pull, enfin si j'en ai lancé un mais je crois que je voulais pas montrer. Et en fait je fais un petit bonnet de naissance pour une de mes amies qui est enceinte. Et en fait j'avais une des laines fil d'art que j'avais commandé pour faire des petits bandeaux et que là j'ai pu faire un petit bonnet, donc plutôt chouette. Et du coup vu que Manon s'est mise au tricot suite à mes vidéos et que voilà on discute souvent tricot et tout ça, je lui ai pris le même pour mettre dans son petit colis de Noël que je lui prépare. Et puis voilà, bien en fin de journée, je suis allée faire deux courses du coup, je me suis lancée dans des petits ateliers correspondance pour écrire ma lettre à Julien et j'en ai profité pour voilà, utiliser mes petits trucs de papeterie, mes autocollants, ma masking tape, tout ça. Et ça m'a fait un bien fou en fait de lui écrire et en plus de ça, d'avoir tout ce petit côté voilà, créatif que j'aime beaucoup. Ah, il faut que j'enlève ma couronne de Noël, c'est vrai. Du coup vous êtes trop à m'envoyer des messages pour Anna Karenine, c'est trop chouette et vous étiez nombreux à l'avoir dans votre pile à lire sans avoir la motive de le sortir, donc c'est cool. Ce soir je vais mettre mon petit post et là je vais essayer de regarder dans le livre comment il est divisé pour voir si on peut, comment on peut s'organiser en fait sur le mois de janvier pour, bah, pour le lire et proposer quelque chose dans la lecture commune. Donc il faut que je regarde ça. Alors il fait 858 pages dans mon édition. Et est-ce que j'ai un recueil avec les chapitres ou pas? Ça serait chouette cette histoire. Hello, bonjour à tous, on est mercredi matin. Je me suis levée tôt en pensant que du coup j'allais avoir du boulot, des mails, des trucs et en fait rien. Le fait que tout, presque tous les associés sont en vacances, bah y a rien qui y a rien du coup de nouveau qui sort. Donc du coup bah plutôt tranquille, ça c'est chouette, j'en ai plutôt besoin je dois avouer. Donc voilà, pour vous dire c'est tellement compliqué en ce moment que j'hésite vraiment à hésiter à me mettre en arrêt et essayer de voir avec l'école si ça avait une importance sur mon cursus ou pas, que je sois pas payée, je l'entends. Je suis pas beaucoup payée, mais c'est plus sur mon cursus. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment l'état dans lequel je suis. Même si j'en parle comme ça sur YouTube, c'est encore plus compliqué dans la réalité. Aujourd'hui du coup le programme, je vais m'attaquer à mon coin de sac. Je vous montre pas parce que j'ai honte, je pense qu'on a tous un peu ce genre de truc, c'est un peu comme le placard de la honte de Monica je pense. Moi c'est un peu dans Friends hein, pour ceux qui se demandent, moi c'est un petit peu ce coin là aussi. Donc du coup j'essaie de tout cacher dans cette jolie panière à linge, enfin jolie toute mesure relative hein, mais au moins
ça fait un truc uni. Ce matin, bon, je vais pas le faire encore parce que j'aime pas faire trop d'écran le matin comme ça. Je vais faire du coup la petite, le petit groupe pour la lecture commune d'Anna Karenine. Ça c'est cool et puis je commencerai la lecture dans la journée, je pense. Mais je vais me prendre un autre bouquin parce que bah voilà, pour lire en parallèle. Donc je sais pas trop encore quoi prendre. Oh, je vais peut-être prendre La dernière sorcière aux yeux d'or, il a l'air relativement court. Je pense que je vais pouvoir le faire. Ensuite, en milieu de semaine, je vais couper avec Une épreuve non corrigée, Charleston, je pense. Et puis voilà, voilà le programme. Hey, je m'apprête à aller me faire un petit café pour ma pause. J'ai du mal à me réveiller aujourd'hui, mais c'est un peu habituel. Je vous ai pas dit hier, mais j'ai fini du coup Phantom Cottage et Guet-apens de Anne Granger. Aux éditions 10-18, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une lecture bof, voilà, c'était pas nul, mais en même temps, c'était pas transcendant, c'était pas génial, enfin, j'en parlerai un petit peu plus en update lecture, mais voilà, je pense que vous voyez que j'ai pas été très emballée. En fait, c'est une lecture assez vide, en fait, enfin, qui ne me procure pas forcément de sentiments, que ce soit de sentiments de contrariété, d'indignation, de joie, de rire, de, voilà, c'était assez taciturne. Là, j'ai commencé du coup La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini aux éditions Inceptio, donc c'est très cool. Donc hier, je vous ai montré que j'avais reçu un deuxième tome, il y a une petite erreur avec Ophélie, et c'est très chouette parce que vous allez pouvoir gagner en fait ce tome 1, sachant que c'est une saga qui est terminée en 2 tomes, et les tomes, ils sont assez courts. Celui-ci, par exemple, il fait 350 pages, et moi, ce matin, j'en ai déjà lu 100 pages, donc franchement, très, très facile à lire. Et c'est plutôt chouette, on est dans un univers où dans le royaume d'Alata, en fait, il était, protégé, insufflé par les sorcières aux yeux d'or qui tiraient du coup leur magie de leurs yeux, qui étaient très respectées, qui étaient, bah voilà, autant craintes, mais dans un sens positif, quoi, elles n'inspiraient pas la crainte, mais les gens, voilà, étaient hyper respectueux de leur pouvoir, en plus de ça, elles prodiguaient de l'aide et tout ça, et un jour, il y a... comment il s'appelle ? C'est Banar ? Bamar ? Je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a un puissant mage noir qui a du coup jalousé un petit peu leur pouvoir et a décidé d'arracher en fait leurs yeux et de créer un petit peu le chaos. Et du coup, bah, l'équilibre qui existait a été détruit et toutes les sorcières ont donc été tuées. Et ce mage, il faut retrouver son nom, mais j'ai oublié. Ce mage, en fait, a arraché tous leurs yeux pour avoir leur pouvoir et les a tués. Sauf qu'il reste une dernière sorcière aux yeux d'or. Et on suit la jeune Elena au jour de son 18e anniversaire, qui apprend un peu malgré elle qu'elle est la dernière sorcière aux yeux d'or, que ses parents ne sont pas ses parents et qu'elle est attendue dans le royaume d'Alatar pour, remettre l'équilibre en place et essayer de rentrer dans une guerre contre ce mage. Donc là, on est vraiment dans un schéma classique de destinée d'un adolescent adulte, la 18 ans, Elena, du jour au lendemain, on apprend que toutes les bases n'étaient pas vraies, ses parents n'étaient pas ses parents. C'est le contexte de l'enfant qui a toujours été moqué, qu'on prenait déjà pour une sorcière parce qu'elle était différente et qui se rend compte qu'elle appartient effectivement à un autre peuple. Donc pour le moment, pas de surprise, ça se lit bien. Elena est un petit peu agaçante parce que forcément, il y a des garçons qui tournent autour, notamment Evan, qui est le fils du capitaine d'Alatar et qui est du coup, donc le capitaine est un des grands amis du roi du royaume de Drer, qui est le père d'Elena, enfin son véritable père, sa mère qui était une grande sorcière céleste est décédée. Et on le voit comme des puissants appels de phare qu'il va se passer un truc entre les deux. Donc c'est vrai que là, on a un peu un schéma haters to lovers, ils sont en train de se chamailler un petit peu. On sait très bien comment ça va finir. Moi, ça me dérange pas, c'est un peu mes schémas préférés. Enfin, j'aime bien quand les gens ils s'entendent pas et qu'ils finissent par s'entendre, ou on sent, voilà. Mais c'est pas forcément fait avec beaucoup de subtilité là dans celui-ci. Cela étant, c'est chouette. Moi, j'aime bien en fait, parce que là, on parle de clan de sorcières, elles tirent leur magie des quatre éléments et tout ça. Donc, plutôt chouette en fait, malgré ces petits côtés,
perso qui, pour le coup, prennent pas le pas sur l'histoire. Hein, c'est juste à titre anecdotique que je dis ça. Je trouve ça assez intéressant. Je pense que le système de magie va être plutôt chouette. Et ouais, je suis plutôt bien dedans. Donc là, je vais aller me faire mon café et je vais voir si j'ai le temps de relire un petit peu. Ce soir, je lirai mon petit passage d'Anna Karenine. Du coup, j'ai lancé la lecture commune sur Instagram. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez loupé ce challenge et tout ça. Et puis voilà, après je ferai mon rangement, je vais essayer de tourner une vidéo peut-être aujourd'hui, mais je vais voir, et puis voilà. Bon bah celui-là on va essayer de pas le renverser hein. Hey, après-midi productive, pour ma part j'ai fait pas mal de trucs, j'ai bossé, j'ai organisé YouTube pour le mois, j'ai fait vraiment plein de trucs, donc je vous ai pas trop pris. Là le facteur vient de sonner et j'ai reçu un petit colis, donc je me suis dit qu'on allait faire une petite ouverture ensemble, sachant que c'est une lecture dont je vous ai parlé un petit peu en vlog, mais il y a un petit moment, puisque c'est la première lecture qu'on a fait d'Electric Charleston, et c'est à ce jour la seule que j'ai aimée avec le livre de Julien, Grandir un peu. C'est vraiment les deux livres qui m'ont marquée et qui, au-delà de m'avoir marqué au sein du programme, on va dire, Lectrice Charleston, c'est des romans vraiment que je garderai en moi très très longtemps, que je trouve universel, intemporel et très très fort. Tous les deux dans des genres totalement différents, mais vraiment c'est des lectures assez incroyables. Et là du coup il y a la version finale qui est sortie, je sais pas si elle est déjà sortie en librairie, en tout cas j'avais vu qu'il y avait des précommandes, et là c'est l'objet final, parce que nous on avait essentiellement des épreuves non corrigées. Alors, je sais d'avance, bon, déjà à quoi il ressemble, mais ça c'est pas grave parce que j'ai quand même l'envie de l'avoir en main et tout ça. Par contre, nos avis ne sont pas présents dans ce livre. Ça a été une grosse déception pour nous toutes d'ailleurs, parce que ça a été un coup de cœur ce livre avec tout le monde. Mais visiblement, nos avis n'étaient pas aussi importants que les avis des magazines et des médias américains. Donc visiblement nos avis sur le livre ne seront nulle part dans le livre, que ce soit une page à la fin, une page au début, coincée quelque part entre le roman, j'en sais rien. Ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu déplu honnêtement, parce que moi j'ai passé du temps à écrire ma chronique. En fait dans l'Electric Charleston, vous avez les preuves non corrigées et vous remplissez un formulaire en fait où vous notez le texte, vous notez la couverture et vous donnez votre avis. Et c'est cet avis qui sert, vous savez, dans les bouquins Charleston, vous avez toujours les lectrices ont aimé, que ce soit sur l'espèce de petit rebord un peu marque-page comme ça à l'intérieur, sur la quatrième de couverture parfois vous avez une petite citation, mais aussi à l'intérieur normalement la première page après la couverture, c'est les lectrices ont aimé avec les citations. Et c'est un petit peu tout l'intérêt quand même aussi du programme Charleston, parce que voilà, et là on n'est pas dedans, donc bon, ça me fait un peu de la peine honnêtement, parce que c'est vu que j'ai pas aimé les autres livres et que j'avais toujours un truc à redire, bon à part celui de Julien évidemment, j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps pour mes chroniques, enfin j'ai passé du temps mais en tout cas pas avec le même cœur et la passion que j'ai pu avoir pour Pachinko, donc un petit peu déçue, mais bon. Voilà la bête. Alors il est magnifique pour le coup, vraiment très contente que Charleston se soit débarrassée là de ce truc là, de ce bandeau. Par contre je comprends pas moi les... En fait je suis jamais totalement satisfaite de leur couverture. Je trouve qu'à vouloir se démarquer, il y a toujours un truc qui cloche. Moi j'aime bien les couvertures quand elles sont pleines. Là ce truc blanc je vois pas trop à quoi il sert. Mais bref, bon, c'est un avis personnel. La photo par contre est très très belle, je la trouve très sobre, magnifique, et elle est vraiment en accord avec le roman. Et là j'imagine du coup qu'on a plein de petits papiers. Je vais retourner après pour vous montrer du coup le livre. Il est très beau, moi j'ai de la chance, il n'est pas arrivé abîmé parce que toutes les filles l'ont reçu à moitié abîmé, donc c'était vraiment à déception sur déception, mais c'est une magnifique histoire, vraiment il est sublime ce bouquin, je suis trop contente. Trop contente malgré la déception, voilà, de figurer nulle part. Donc ça c'est un petit peu triste, mais bon, c'est pas grave, c'est cool. Donc je vous en parlerai pour nos billets de lecture, mais je mettrai un post sur Instagram parce que
Parce que voilà, du coup, j'avais préparé mon poste à l'époque. Et puis, voilà. Du coup, voilà le roman de plus près. Donc voilà, ce que je vous disais, je comprends pas cette bande blanche. Je trouve qu'il y a toujours un truc qui cloche. Ils ont des superbes couvertures, mais soit il y avait cette bande-là qui gâchait pour moi les livres, parce que vraiment, ils choisissent des belles photos et tout. Enfin, j'aime vraiment ce qu'ils font dans leur charte graphique. Je trouvais la police très belle et tout ça, mais le côté blanc, je comprends pas pourquoi. Je trouve que ça apporte rien. Enfin, vraiment, je comprends pas. Petit marque-page avec les citations de tout le monde, sauf nous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, des petites cartes. Très jolies. Une autre petite carte. Et du coup, ça sort le 12 janvier. Comme ça, j'ai ma réponse. Ça, c'est chouette. Hop. Et puis voilà, le petit communiqué de presse. Vraiment, c'est un beau livre et c'est un livre à lire, vraiment. Parmi toutes les nouveautés qui ont été annoncées, vous vous posiez la question. Parce que voilà, bon, je parle pas du livre de Julien parce qu'il est pas, enfin, il sort en mars, donc on n'y est pas encore. Mais parmi toutes les sorties de janvier et tout ça, s'il y en a un seul à lire, c'est Pachinko. Parce que il est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et ça, je suis tellement d'accord avec la citation d'Obama. Bon, sinon, petit goûter, je suis toujours avec mon thé vert, litchi, rose et gingembre que j'adore. Mon bouquin des éditions Inception, j'avance bien dedans, je vais arriver à 200 pages là. Et un petit roulé à la cannelle, dédicace à ma petite Estelle. Voilà, on est plutôt pas mal. J'ai reçu un petit colis, donc je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Je sais ce que c'est. Enfin, j'ai déjà fait une ouverture de colis aujourd'hui, mais mon chéri est passé au Mondial Relais. C'est de la laine, puisque mon chéri, du coup, a adoré mon bonnet que je me suis fait, et il en a voulu, hein. Donc, du coup, j'ai commandé sur Fildar la même pelote que j'avais utilisée, c'est les Fildar Express, elles sont vraiment chouettes. Moi, du coup, j'avais tricoté en blanc, et là, du coup, c'est la couleur Prusse. Bleu prussien, je crois. C'est vraiment chouette, je vous montrerai demain à la lumière du jour. Et j'ai aussi pris du noir pour ma copine Vina. Je pense pas qu'elle regarde les vlogs, donc je ne crains pas de gâcher la surprise. Et voilà, du coup, je vais lui faire un petit bonnet parce que j'avais offert un cadeau à sa chérie. Et du coup, j'avais pas encore fait pour elle parce que j'avais pas trop quoi faire. Donc voilà. Moi, je finis mes cadeaux sur janvier. Je suis pas pressée. Je me dis, c'est pas grave, on finit. L'important, c'est d'offrir, de faire plaisir. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'adore faire plaisir. Donc voilà. Et si c'est pas à Noël, bah, c'est pas grave en fait. Donc voilà, du coup, petit programme. Je pense. Peut-être en fait lire mes pages et pas enchaîner dans une lecture, puisque ah oui, j'ai terminé du coup la lecture de la sorcière, la dernière sorcière aux yeux d'or. C'était chouette, franchement, il y a des bonnes bases. Moi, j'étais un petit peu polluée par le côté romance qui faisait que Elena, qui est censée être cette dernière sorcière avec une destinée particulière, en fait, elle était un petit peu lassante parce que j'ai l'impression qu'elle pensait que à tomber amoureuse du garde en fait qui devait l'escorter jusqu'au royaume de Drer et le royaume de Victoire. Elle devait retrouver son père qui était le roi et commencer à lancer du coup le combat et tout ça. Et en fait, ça m'agaçait un petit peu tous ces passages de séduction parce que j'avais l'impression que c'était les seuls moments un peu où elle réagissait en fait. Et je trouvais que ça déséquilibrait un petit peu l'histoire. Cela étant, l'univers est extrêmement riche. Franchement, l'univers, les légendes qu'il y a autour, la magie autour des quatre éléments, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ça. Donc voilà, il y a un tome 2 en fait. En plus de ça, c'est 350 pages, ça se lit extrêmement vite. J'ai pu le lire dans la journée alors que j'ai bossé, j'ai fait énormément de trucs, et il y a un tome 2, donc je lirai le tome 2 du coup avec plaisir. Voilà, après moi je sais qu'il y a plein de gens, enfin je lis souvent des avis en disant qu'ils aiment beaucoup la romance dans les comment ça s'appelle, les romans fantasy fantastiques. Donc après moi j'aime bien quand il y a un certain équilibre et que c'est pas forcément au premier plan. Mais là c'est juste ce qui m'a un petit peu agacée, c'est le contraste entre sa manière de réagir pour des événements on va dire de l'histoire et sa manière de réagir pour la romance. Je trouvais qu'il y avait vraiment un décalage comme ça de niveau et d'intensité de réaction qui du coup lui donnait un petit peu, enfin ça me donnait un peu l'impression que c'était l'idiote qui pensait que
aux amourettes, à tout ça. Donc j'ai trouvé que par rapport à ça, elle manquait un petit peu de maturité parce que à 18 ans, je trouve que quand on te dit tu dois affronter ton destin, tu penses pas juste à regarder ton capitaine et espérer qu'il va te prendre dans tes bras, quoi. Donc du coup, de temps en temps, en fait, ça amenait des trucs. Enfin, par exemple, il doit fuir dans un bateau où il doit se serrer dedans. Et en fait, il y a une espèce d'urgence dans cette situation qui est un petit peu épique, rocambolesque et tout ça. Et le seul truc qu'elle trouve à dire, c'est « Ah bah oui, je suis pas mécontente d'être serrée contre mon capitaine. » Bah eux... voilà. Donc c'était des petits détails comme ça qui m'ont un petit peu agacée dans le sens où j'aurais aimé qu'il soit un peu moins intensif et qu'on n'en ait pas tout le temps, en fait. Qu'on en ait de temps en temps, ça aurait pu être cool, mais pas non plus à ce point-là. Donc, à voir dans le deuxième, puisque finalement, on a abouti à une petite résolution d'histoire sur la fin. Donc, à voir sur le tome 2 si c'est un petit peu moins présent. Mais vraiment, c'est chouette. Hein. Au niveau de l'imaginaire qu'il y a autour de ça, c'est quand même bien construit. J'aime beaucoup cette petite légende avec les sorcières aux yeux d'or et le fait qu'elles tirent leur pouvoir. Puis, on apprend un petit peu plus sur le clan des sorcières et cette espèce de sororité, en plus, qu'il y a avec tout ce clan qui a été majoritairement décimé, c'est assez intéressant. Voilà. Après, si vraiment vous supportez pas la romance, moi là pour le coup, je suis arrivée vraiment à mon seuil de tolérance, plus j'aurais abandonné. Mais vraiment, si vous avez une tolérance zéro, c'est peut-être pas forcément le roman. Mais si ça vous gêne pas, n'hésitez pas à vous laisser tenter parce que c'est une duologie. Donc ça se finit très rapidement, ça se lit très rapidement et c'est très chouette. Franchement, c'est une belle aventure. Donc voilà, du coup, tout ça pour dire que je vais lire mes 40 pages d'Anna Karenine là, tranquillement. Je vais aller me faire une petite infusion histoire de mettre dans une ambiance bien cosy et discuter un petit peu avec les filles qui auront lu. Et ensuite, je pense que je vais tricoter, commencer le bonnet de ma copine Vina. Voilà, je vais le tricoter et puis je me mettrai des petites vidéos YouTube. J'ai des vidéos, je crois, de... Bah, Manon en a sorti une. Je l'ai écoutée aujourd'hui, mais voilà, je vais regarder ce qui est sorti et ce que j'ai loupé. Et puis voilà, bon, je vais bouquiner. Jeudi, comme très souvent, je vous prends aux aurores. C'est un peu compliqué en ce moment. Je me lève très tôt. En fait, je me lève comme ça d'un coup, genre à 5h, 5h30, et impossible de m'endormir. J'ai tous les sens éveillés, j'ai le cerveau qui part à droite, à gauche. Donc, je finis par allumer l'ordi et faire ce qu'il y a à faire. Et vu qu'il n'y a pas grand chose, étant donné qu'à peu près tous les responsables ont prolongé les vacances ou sont en arrêt maladie jusqu'au 11 à peu près. C'est très calme, donc ce qui fait que j'arrive à bosser de 5h à 7h30, 8h. Et voilà comment du coup j'organise mes journées en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier du coup, j'ai commencé à lire Anna Karenine, donc mon premier passage pour le challenge L'Empoche Classique que j'organise. Franchement, je suis assez étonnée parce que j'avais un petit peu peur d'une lecture assez fastidieuse, assez longue, avec un vocabulaire qui décourage un petit peu, qui pousse voilà, à ralentir son rythme de lecture, à aller rechercher dans le dictionnaire. J'avais un petit peu cette idée, un peu comme Zola ou ce genre de choses. J'avais un peu peur aussi de la traduction de la littérature russe parce que c'est des codes que je connais un petit peu moins, même si j'ai lu Dostoïevski et tout ça. Et finalement, avec les filles, on a été toutes très étonnées du fait qu'on rentre extrêmement vite dans l'histoire. En fait, on a une entrée en matière qui fait que c'est tout de suite un peu de l'action. C'est pas du tout pour le moment lent, on n'a pas des descriptions sur 70 pages. Il y a quelque chose de résolument moderne dans ce livre où on a vraiment envie de continuer, en fait. Et j'ai trouvé que la plume, elle était très facile, très rythmée.
c'était vraiment bien écrit et bien traduit, enfin surtout. Et voilà, j'avais pas l'impression de rentrer dans un classique de 1000 pages un peu fastidieux. Donc ça, c'était super chouette. J'ai hâte de voir ce soir ce que ça va donner, est-ce que ça va continuer à donner, mais c'est très très cool. Voilà, agréablement surprise. Aujourd'hui, le programme, c'est d'avancer sur mes corrections, les corrections de mon manuscrit avec Marion. En fait, elle avance de son côté sur sa première correction. Elle m'envoie des choses pour que je valide, parce que des fois, au-delà des fautes d'orthographe, parfois, il y a des suggestions. Elle me demande, voilà, là, c'est pas clair. Moi, j'avance comme ça pour essayer de pas prendre trop de retard et me retrouver avec le manuscrit de plus de 200 pages à tout revoir ses corrections. J'aime bien avancer un petit peu en même temps qu'elle, comme ça on est plutôt à jour. Donc je vais faire ça quand je serai un petit peu mieux réveillée. Là je vais calmer un peu avec les écrans, parce que vu que je commence les écrans très très tôt, mes yeux et mes migraines sont un peu extrêmes. Donc je vais me calmer un peu sur les écrans et je prendrai peut-être en fin de matinée quelque chose comme ça. Il faudrait que je tourne une vidéo aussi, peut-être, peut-être tourner une vidéo. Je sais pas trop du coup si j'attaque aujourd'hui ou pas, ce matin, je sais pas. Et il faut que je prenne une nouvelle lecture. Bon, qu'est-ce que j'ai à lire? Ça, il faut que je le sorte, c'est une épreuve non corrigée, mais vu les avis des filles, ça me fait pas du tout envie. Apparemment, c'est assez court, 200 pages, donc je vais essayer de me mettre un challenge 50 pages par jour pour me forcer à lire, parce que vraiment, ça me fait pas du tout envie. Finalement, j'ai plus grand chose en nouveauté. Il y aurait les choses humaines de Karine Thuil. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, c'est le Funkinos. Où est-ce qu'il est, le Funkinos? Ah, je vais le mettre là. Il y a les choses humaines de Karine Thuil que j'ai pas lu. Il y a le tome 8 et demi de Gardien de la Cité Perdue. Mais ça, je me dis, je vais peut-être me le faire sur le week-end. Je vais voir. Le tome 3 de Rendez-vous avec le crime. Le mystère, pardon, c'est pas encore le moment, je vais attendre un petit peu, genre février je pense, parce que voilà. J'ai plus grand chose les gars, c'est ouf hein. Bon, et puis dans la pile de bouquins qui m'étaient prêtés par ma copine Vina, il me reste un Henry Lovenbrook, La Louve et l'Enfant, La Moria. Il est pas très long, je crois, il fait 340 pages, mais en même temps, je viens de lire de la fantasy, donc c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Et ça, c'est un bouquin de science-fiction qui me tente énormément, sauf que c'est une énorme brique qui fait 700 pages, et que là, j'ai déjà Anna Karenine qui en fait presque 1000, donc c'est pas le moment de le sortir. Mais là, c'est pas la bonne pioche, pas le bon moment. Bon, du coup, j'ai décidé d'attaquer les choses humaines. Ça fait super longtemps que je voulais le lire. Je l'ai reçu à Noël. Il fait à peu près 400 pages, je crois, 340 pages. Après, les NRF, c'est une disposition qui est quand même, vous voyez, par rapport à maman. Je vais pas dire que ça fait presque comme un poche sur l'intérieur, mais il y a quand même pas grand-chose. C'est écrit gros. C'est un bouquin qui amène une certaine réflexion autour des agressions sexuelles la vision qu'on peut en avoir, une vision assez, enfin en tout cas une interprétation assez raisonnée et raisonnable. Petit latte et ma lecture de Karine Thuil avec mon chausson Griffon d'or perdu par là-bas. C'est vraiment génial. Pour le coup, c'est hyper intelligent. J'adore ma lecture. J'ai lu 50 pages. Vraiment, je savoure. C'est tout, en fait, mérite d'être presque lu et relu. Je trouve ça vraiment brillant. J'adore ma lecture. Je vais encore lire un petit peu. Genre 50 pages, je pense, à peu près. Et puis après, j'attaquerai mes corrections. Je me mettrai sur l'ordi. Et puis voilà. Un petit rescapé de Noël. Hey, on est dans l'après-midi, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai bossé un petit peu et j'ai aussi terminé mon retour de correction du coup de Marion. Je suis trop contente, on avance bien, enfin on, surtout elle qui bosse. On en est page 180 sur 210 du manuscrit, donc sur le fichier Word,
Et du coup, c'est cool parce que ça avance bien. C'est 210 ou 250? Non, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, du coup, on avance pas mal. Donc, je suis contente parce que ça se concrétise. Et c'est assez chouette de voir que plus on avance, moins elle a besoin de faire des corrections. Parce que bah, j'ai dû prendre de l'aisance dans l'écriture. Donc, c'est cool. On s'est tapé des fous rires incroyables puisque dedans, il y a une référence à Christian Bale. Et en fait, j'ai fait une faute de frappe en mettant Christiana Bale. Et du coup, Marion a répondu en me disant « Est-ce que c'est la sœur de Christina Cordula ?» Et alors là, c'était le lâcher de fauve. On s'est lancé avec des montages Christian Bale fusionnés avec Christina Cordula. Et franchement, j'en pleurais de rire. Vraiment, j'étais toute seule à mon bureau devant l'ordi à glousser. Mais vraiment hallucinant. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai fini mes petites tâches du jour. Pas de news niveau boulot. Enfin, j'ai fait 2-3 trucs, mais pas de news. Et puis là, le cabinet, du coup, se reprépare à repasser en télétravail. Ils avaient tenté de reprendre en présentiel, ce qui est un peu bête parce que personne... nos respects parmi eux, ils mangent en face à face avec une table qui est vraiment presque comme un petit bar, vous voyez. Donc ça fait je sais pas combien de fois qu'ils font des tests Covid, qu'ils sont cas contact, qu'ils sont machin. Donc bon, moi je suis pas concernée parce que j'ai la santé trop fragile pour aller là-dedans. Mais voilà, du coup je pense que ça va être une période pareil un petit peu entre deux. Et globalement là les affaires sont un peu calmes, donc... bah c'est plutôt chouette, je vais pas m'en plaindre, ça rattrape tous les moments où j'étais en rush et je rentrais chez moi super tard. Et voilà, j'ai pas tourné de vidéo, honnêtement j'avais pas trop envie aujourd'hui, donc je me force pas, hein. Il restera demain, on verra ce que je ferai. Là je vais me poser et puis reprendre ma lecture du Karine Thuil, Les choses humaines je pense. Et avant ça je pense que je vais tricoter un petit peu, j'ai commencé un truc, ça fait longtemps que je vous ai pas dit ce que j'étais en train de faire. Voilà, du coup j'ai recommencé un bonnet pour mon chéri, donc la couleur c'est bleu prussien, c'est ce que je voulais vous montrer hier. C'est un bleu marine mais qui a je pense une pointe de bleu canard, donc vraiment très sympa. Et voilà, donc là j'ai commencé à faire mon bord en point élastique, en point de côte. Et du coup ouais, j'ai un petit peu envie de tricoter là, donc je pense que je vais faire 2-3 rangs devant une vidéo avant ensuite de reprendre ma lecture du Karine Thuil. Et voilà, du coup l'occupation du jour, et je sais pas ce que vous en pensez mais je suis vraiment contente de ce décor, enfin de ce décor, de ce nouveau nouvelle parure de lit. Je la trouve très chaleureuse et en même temps, enfin cosy mais en même temps assez épurée. Voilà, les petits bonheurs simples. Il y a des gros flocons qui sont en train de tomber, c'est trop agréable. J'ai envie de rester toute cosy, je me suis fait un petit thé, j'étais trop bien. Mais il faut que j'aille faire mon sport. Bon, j'espère qu'il continuera de neiger après, qu'il ne fera pas trop nuit, et que je pourrai encore voir les flocons, mais trop agréable. Bon, je vous montre pas ma tête parce que il y avait du gluten dans un aliment qui n'était pas censé avoir du gluten. Donc là du coup, je suis malade comme un chien. Pour ceux qui ne savent pas, je suis intolérante au gluten depuis diagnostiquée depuis très récemment, donc compliqué. Je vais lire ma partie donc, de lecture commune du jour. Il y a 48 pages à peu près, donc j'ai trop hâte parce qu'hier j'étais trop frustrée de m'arrêter de lire. Et ensuite, je reprends Bulle Bizarre, vous le présente. Il y a Stitch qui dort déjà. Les choses humaines de Karine Thuil, quel bouquin absolument passionnant, je suis limite dégoûtée de l'arrêter en fait. Entre ça et ça, il n'y a que des trucs que j'ai envie de lire, c'est ouf. Et puis voilà, j'ai un des petits marque-pages du coup que Léa m'a offert contre Léa Boucali. Tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et voilà, du coup planning de la soirée, rester comme le gros cachalot que je suis. Cela vous le voyez pas, mais en fait j'ai un bite comme si j'étais enceinte de 6 ou 7 mois. C'est assez impressionnant, mais bon bref. Hello, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, c'est bientôt le week-end, j'en peux plus. J'ai pas énormément bossé mais j'ai eu beaucoup de stress en fait autour de ça et j'ai hâte. Alors il y a un truc que j'ai fait pendant les vacances et que je ne faisais pas les week-ends et que je vais faire, c'est mettre l'ordinateur du boulot hors de ma vue. Et d'aller le mettre ailleurs, et en fait ça me fait grand bien de pas le voir parce que sinon ça...
ça cultive une boule de stress comme ça. Donc voilà, du coup, le programme. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, du coup, là, bon, je fais ma petite pause café. J'ai bossé très tôt ce matin et j'ai bossé assez longtemps. Donc là, c'est pour ça qu'il fait plutôt jour. Je vais essayer de tourner une vidéo dans la foulée, mais du coup avant ça, pendant ma petite pause, je vais continuer la lecture de Karine Thuil, Les choses humaines, parce que je suis à fond dedans et que si j'étais pas en déficit de sommeil hier, je pense que j'aurais fait une bonne j'aurais terminé, bon j'aurais fini très tard mais j'aurais terminé, c'est absolument génial, c'est passionnant, vraiment c'est passionnant, donc je peux que vous le conseiller. Là je vais le terminer, il me reste moins de 100 pages et vraiment je vais en garder un souvenir incroyable de cette lecture. Hey, petite update, je viens de terminer Les choses humaines de Karine Thuil, c'est un énorme coup de cœur, c'est un livre incroyable, vraiment, c'est pour moi c'est déjà un classique à lire, c'est incroyable, voilà, donc je peux que vous le conseiller, je vous en reparlerai en update lecture en chronique sur Instagram, mais vraiment c'est un livre qui m'a marqué, qui me marque, qui voilà, enfin en tout cas livre incroyable. Là du coup je voulais filmer une petite vidéo, il est midi. Sauf que pour la première fois de la semaine, il y a beaucoup de soleil et du coup mon espace bibliothèque est baigné de soleil et c'est du soleil direct, donc c'est pas joli. Donc bah tant pis, hein. De toute façon j'ai mes vidéos qui sont programmées pour toute la semaine, donc ça va, mais c'est vrai que je voulais m'avancer pour la semaine prochaine. Je verrai ce week-end si je peux pas en faire deux, ça serait plutôt chouette pour pouvoir m'avancer. Et puis voilà, je vais attendre que mon chéri rentre à midi pour déjeuner. Et là je pense que je vais mettre une petite vidéo. J'ai vu qu'il y avait le carnet de bord d'Estelle qui était sorti, donc petite lectrice. Et je vais tricoter un petit peu et puis voilà. J'espère que vous allez bien. On est samedi entre midi et deux, on vient de rentrer. On a fait un petit tour en ville. Moi j'ai dépensé du coup 2-3 cartes cadeaux que j'avais reçues à Noël. Je sais pas trop si je vous montre là ou si je tourne un book haul, mais en fait j'ai beaucoup utilisé les cartes pour acheter les livres qui compléteront le challenge du coup que j'organise, l'empoche classique, puisque certains classiques sont assez épais et du coup eh bien ils ne rentrent pas. Enfin, ils excèdent un petit peu le budget, voilà, ils sont un petit peu chers. Je pensais à Middlemarch de George Eliot qui est à 15€ parce que vraiment il est épais comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup acheté pour le challenge. Donc c'est pas des titres en soi qui changent énormément de d'habitude. Et en plus de ça, j'ai aussi pris un Agatha Christie pour le challenge d'Alexia My Book Vision. Et il y avait des titres que j'ai pas vus et que du coup j'ai réglé mes précommandés. Donc soit j'attends de les recevoir et du coup je vous tourne un book haul. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, comme ça il y aura des nouveautés et puis l'ensemble des classiques. Mais voilà, c'était chouette parce que du coup on est allé ce matin à l'ouverture des magasins. Donc il n'y avait pas grand monde. J'étais vraiment toute seule dans le rayon, dans ma petite librairie indépendante. J'étais toute seule, il n'y avait personne et c'était très agréable. Je vous ai fait d'ailleurs des petits plans comme ça de la librairie pendant que je regardais un petit peu tout. J'ai vu plein de choses, ça m'a permis aussi moi de regarder les éditions que je voudrais prendre pour les autres classiques, puisqu'il y avait, il y a toujours plein de trucs. Par exemple pour les livres de Jane Austen et
Admiranté. Il y a des éditions que ça va un petit peu colorées et finalement je les aime pas, je les trouve un peu criardes et j'ai pas envie en fait d'avoir des tranches colorées dans ma bibliothèque de poche qui est vraiment pour le coup voilà essentiellement blanche. Donc j'aimerais bien rester comme ça, donc ça m'a permis aussi moi de regarder ce qui se faisait, enfin j'ai vu plein de choses, il y a plein de nouvelles éditions, enfin c'était vraiment agréable parce que d'habitude je suis assez je prends pas le temps en fait de me balader, c'est vrai que j'ai tellement, enfin peur, j'essaye tellement d'éviter la foule et ce genre de choses que souvent quand on va en ville et qu'on se promène, c'est un petit peu, voilà, je sais où je vais, ce que je prends et s'il y a pas, bah tant pis, next. Et je déambule pas trop du coup dans les magasins, donc là c'était vraiment très très cool. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Hier du coup je vous ai pas trop pris en fait, que ce soit le soir ou l'après-midi parce que on a changé en fait la porte de douche voilà dans la maison et du coup ça faisait beaucoup de bruit et puis en fait voilà j'ai pas voulu vous prendre pendant ce moment là et niveau lecture j'ai rien repris depuis Les choses humaines Karine Thuil parce que en fait hier je me suis posée. J'ai lu ma partie d'Anna Karénine pour le vendredi et puis j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait à lire pour le week-end. En fait, moi je fais organiser sur les 5 jours de la semaine avec des petits quotas parce que je sais que les gens sont pas forcément dispo. Et sur le week-end, du coup, c'est un petit peu plus adaptable avec des passages un petit peu plus épais à lire qui excèdent les 100 pages. Parce que je me dis 50 pages sur le week-end, le samedi et le dimanche, je pense qu'on peut le faire. Et puis après, s'il y a des gens qui travaillent le samedi, ils peuvent décaler comme ça. Et je me suis dit, bon bah voilà, chacun s'organise et puis on fera un point peut-être le dimanche soir, ça sera comme ça pour tout le monde aura eu le temps de lire ses parties. Et en fait je me suis posée et j'ai lu toute ma partie du week-end parce que j'étais à fond dedans du coup dans l'histoire d'Anna Karenine. C'est vraiment très très chouette, on apprécie vraiment cette lecture commune qui nous étonne par sa... pardon, je sais pas... j'ai failli m'étouffer, de par sa modernité, de par le fait que c'est très rythmé également, donc du coup... voilà, voilà où j'en étais. J'ai terminé ma partie du coup, donc partie 1 et partie 2 d'Anna Karenine et j'ai fini le planning Anna Karenine de la semaine. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des petites lectures dans le week-end. Je sais pas encore, j'hésite entre plusieurs trucs. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu la dernière partie de mon cadeau de Noël qui arrive avec un petit peu de retard. C'est la pop de Pampan, donc je le dis souvent, mais le lapin c'est mon animal totem, c'est un truc hyper important dans ma vie, ça a une signification énorme. Et en fait la pop de Pampan c'est une des premières qui sont sorties de pop de Disney avec Bambi et elles sont introuvables partout. En fait vous pouvez plus les commander, il faut les acheter un petit peu de collection et... mon papa du coup pour Noël a essayé de me prendre des pop comme ça que je cherchais qui étaient introuvables à part sur eBay aux enchères et tout ça et du coup il a fini par mettre la main sur une petite pop de Pampan et je suis trop heureuse, elle me met trop en joie parce que c'est vraiment la première pop que j'ai voulu. En fait, c'est vraiment sorti au moment où les pop, c'était pas du tout des têtes de gondole dans les magasins. C'était des petits trucs un peu dans les magasins un peu geeks, de produits dérivés, où j'allais de temps en temps et j'avais vu. Et je me souviens avoir vu donc cette petit truc trop mignon. Et je m'étais dit, oh, mais après, si je me lance là-dedans, qu'est-ce que je vais en faire? Puis forcément, j'avais dû en parler à mes parents et ma mère avait dû me dire, oui, bah ça va encore prendre la poussière, ces trucs-là. Donc j'avais un petit peu abandonné. Et après, bah quand j'avais commencé les pop avec les pop Harry Potter et tout ça, j'avais voulu la retrouver et vraiment, elle était introuvable. J'ai une peluche dans les cheveux je crois et du coup voilà, trop contente de l'avoir et puis voilà, dans les nouveautés du week-end le reste c'est des bouquins donc je peux pas vous les montrer si je fais un book haul. Hey, j'ai tourné une vidéo et j'ai un énorme coup de barre avoir été dans le monde alors que j'ai l'habitude vraiment d'être au calme. Ça m'a mis un coup de fatigue comme les petits vieux, vraiment je suis crevée, donc j'ai tourné ma vidéo, je l'ai montée, j'ai fait la vignette et je suis en train de l'uploader sur YouTube, donc pour le coup j'ai été assez productive. Mais voilà, petit coup de barre, j'ai sorti du coup en lecture en fait... J'ai pas voulu sortir mes nouveaux trucs pour pas spoiler le book haul que je mettrai du coup la semaine prochaine je pense... parce que j'attends d'autres trucs en fait, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul, et autant certaines aiment bien que ce soit ouvert dans les carnets, enfin dans les vlogs, autant d'autres aiment bien que ce soit dans des book hauls séparément, donc je me suis dit que voilà, j'allais faire un book haul parce que j'ai pas mal de nouvelles références à vous montrer, notamment des trucs qui vont arriver, et du coup je vais me sortir pour le week-end le tome 2 de Kellyanna, parce que bah, j'avais envie de continuer la saga, de pas trop la laisser tarder, surtout que je l'ai entièrement dans ma pile à lire. Donc voilà, je vais lire ça ce week-end, je sais pas, c'est bien le tome 2, oui. Je sais pas du coup si je vais me prendre une BD ou pas, je verrai demain, mais là vu que je suis un peu dans une ambiance de flemme,
Pour le moment, voilà, ça va. Il fait 460, non, il fait 500 pages. Donc je me dis 250 aujourd'hui, 250 demain, ça peut le faire. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je vous prends en tout début d'après-midi. On s'est levé à 10h pour le coup, ça allait. D'habitude, on se lève bien plus tard. Hier soir, on a regardé Toy Story en mangeant une petite glace. C'était cool. En fait, Toy Story, ça fait partie des Pixar que j'ai dû voir une fois et qui m'avait pas énormément accroché quand j'étais enfant. Et du coup, je comprenais pas parce que j'ai l'impression qu'il y avait une énorme... Enfin, je comprenais pas. Voilà, je voyais qu'il y avait une énorme vibe, mais c'est vrai que ça me touchait pas trop. Enfin, je sais pas, jamais été à fond Toy Story. Et du coup, on cherchait un film à regarder avec mon chéri et il m'a dit, bah, tu veux pas qu'on regarde Toy Story parce que je crois qu'il y a un 3 qui est sorti ou un truc comme ça, je l'ai pas vu. Moi, je lui dis, bah, écoute, je m'en souviens même pas du 1. Donc, on a regardé le 1 et bah, je reste sur mon impression d'enfant. Je trouve pas ça... Enfin, c'est peut-être le Pixar qui m'a le moins marqué, honnêtement, et qui continue de moins me le marquer. Je suis pas à fond Toy Story. Ouais, j'ai pas hyper accroché, en fait. Je pense qu'il... Enfin, ouais. Bon, c'est pas mon Pixar préféré. Du coup, on a fait ça, on s'est levé tranquillement ce matin. J'ai bouquiné un petit peu, du coup, je suis dans le tome 2 de Kelleana. C'est plutôt chouette. Et pour le moment, bon, j'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu une centaine de pages sur 400-500 pages. Je sais même pas si j'aurai le temps de le finir ce week-end finalement, parce que j'ai fait plein de trucs ce matin pour mon livre, dont je parlerai peut-être plus tard ou peut-être pas, selon si je garde des surprises ou pas. Et enfin, pour l'aspect marketing, on va dire, autour du bouquin, hein, pas de nouvelles incroyables. Et du coup, c'est chouette et je trouve que c'est quand même déjà un petit peu plus mature. Il y a toujours hein, ce jeu avec Shaol, le capitaine de la garde, et le prince d'Orient, mais c'est un petit peu plus mature, donc j'apprécie beaucoup. Et puis là, on rentre vraiment dans l'histoire d'un coup, dans l'intrigue, dans les complots, dans les histoires, dans les futures rébellions, dans ce truc de magie un peu sombre en arrière-plan. Donc vraiment très cool, donc c'est très agréable et ça se lit très très bien. Donc je vais continuer ma petite lecture et dans l'idée d'accompagner ma petite lecture cet après-midi, je vais aller faire des cookies. Ma sœur est là, donc du coup je vais faire des cookies comme ça, elle repartira aussi un petit peu avec dans la semaine. Et voilà, aujourd'hui un peu dur à gérer le moral, très très peur de retour au boulot lundi et retour au boulot avec le retour du plus 1 tyrannique qui hurle sur tout le monde. Ça c'est très compliqué, surtout par rapport à ce qui s'est passé en début de semaine avec le dossier et tout ça, je sais que ça va me retomber dessus. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à profiter de mon dimanche sans penser au retour, c'est un peu compliqué, un peu douloureux, je suis pas dans un super état, donc je me dis lecture pâtisserie, ça devrait être quand même plutôt pas mal pour essayer de surmonter tout ça, mais comme quoi c'est quand même très très problématique parce que qu'il y ait des gens comme ça qui tuent le moral de tout le monde, parce que je sais que c'est moi, mais je sais qu'il y a des salariés qui sont là-bas depuis très longtemps, qui souffrent un peu de la même manière que moi, et c'est compliqué en fait, d'autant plus quand vous êtes stagiaire, que vous êtes un peu lié pendant 6 mois et que vous n'avez pas de moyens de recours. Enfin, c'est bien de dire qu'on peut gérer, qu'il y a des lois qui encadrent le harcèlement du travail, oui, mais si on regarde l'aspect opérationnel, il y a quand même beaucoup de fois où on me dit, bah tu souffres en silence, moi c'est ce qu'on me dit, hein, t'attends, en février, t'auras plus rien, etc. Bah ouais, mais pendant ce temps-là, moi je souffre en silence depuis octobre, et je vais pas faire une procédure judiciaire pour ça quoi, donc c'est un peu compliqué parce que même si effectivement il y a des lois, il y a des choses d'une manière purement opérationnelle, je peux pas, je veux dire, je suis stagiaire pendant 6 mois, bah, je suis condamnée, enfin j'ai été condamnée parce que là il reste plus que 2 mois, je finis fin février. J'ai beaucoup souffert en fait de cette personne qui était voilà, hyper toxique, hyper harcelante. Donc voilà, j'arrive un petit peu à bout là, honnêtement, c'est vrai que j'en parle de plus en plus et je suis désolée de vous imposer ça, mais c'est vrai que du coup dans les vlogs je parle beaucoup de mon quotidien et tout ça, et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient senti que depuis un moment je déclinais un petit peu niveau moral, et c'est vrai parce que j'en peux plus en fait, j'en peux plus du tout, donc j'en viens à essayer de trouver un nouveau stage pour les 2 mois quoi qu'il reste, et c'est dur, enfin ouais c'est très dur. Surtout quand on a fait des longues études comme ça. Hein. Moi j'ai 25 ans, hein. J'ai fait mes études de droit depuis que j'ai 18 ans. Donc vous imaginez, ça fait 7 ans que je fais des études. Et au bout de 7 ans qu'on fait des études, on aspire à enfin souffler, travailler et ne pas subir comme je subis actuellement. Donc
Très difficile niveau moral en ce moment. Mais bon, je vais faire des petits cookies, puis on va se dire que ça ira mieux après. Petit spot goûter avec le thé, thé du loup, je crois que c'est Palais d'été, mais non, c'est Théodore Paris. C'est chocolat, cacao et noisette, c'est vraiment un de mes préférés. Mes méga cookies que j'ai fait, ils sont trop bons, on en a déjà goûté. Et je continue ma lecture de Kelleana, je sais pas si je vais réussir à terminer aujourd'hui à vrai dire. Là, je vais arriver page 200 et il fait 500 pages, donc j'aimerais bien le finir pour terminer la semaine, mais voilà, du coup c'est très cool, beaucoup plus mature que le tome 1. Et voilà, du coup ma petite pause du dimanche. Hey, on est lundi matin et comme souvent, je vais clôturer le vlog seulement maintenant. J'ai totalement oublié hier soir de vous prendre parce que j'ai terminé ma lecture du tome 2 de Kelleana dont je vous parlerai en objet de lecture, donc d'où on en a déjà parlé. Et voilà, du coup j'ai pas eu le temps de vous reprendre, j'avais surtout une migraine depuis 14h qui était très compliquée à gérer à la fin, donc vraiment ma migraine a duré toute la journée, c'était l'enfer. Donc je vous ai pas pris, je vais clôturer le vlog ici, en commencer un autre. Je vous souhaite du coup un très bon week-end normalement quand vous regarderez cette vidéo pour la première fois. J'espère que vous allez vous reposer, que vous n'êtes pas trop anxieux de la semaine à venir. Et en tout cas, je vous souhaite aussi une très bonne semaine à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé les vlogs. Encore une fois, vous savez à quel point ça me fait plaisir de partager cette petite bulle d'intimité avec vous. J'aime toujours les commentaires. Alors, je prends beaucoup de retard pour y répondre, mais je les lis en fait sur le moment, et ensuite je prends le temps de m'asseoir dans l'ordi pour vous répondre, et je le fais avec un peu de retard, je suis navrée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer. J'espère que vous m'en tenez pas rigueur, en tout cas je les apprécie toujours autant. J'aime trop lire, j'aime trop savoir que bah ça vous aide. Pour certaines, il y a beaucoup qui m'écrivent en me disant qu'elles ont des moments pas très faciles et qu'elles le mettent avant de s'endormir, qu'elles le mettent dans la journée pour avoir une voix qui parle dans leur chez-elles, dans leur chez-soi. Et ça me touche énormément parce que moi, c'est des mécanismes comme ça que j'ai déjà pu avoir avec des youtubeuses, des booktubeuses, d'avoir cette présence un peu omniprésente pour aller un peu mieux et puis pour m'occuper l'esprit. Donc je suis très heureuse si je peux avoir ce petit soin à votre égard et que j'apporte ça dans votre vie. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, c'est très important, même si vous voyez les vidéos sur YouTube, parce que forcément avec les algorithmes, vous cliquez dessus et ça apparaît en première page. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, et à partager. Vous savez que j'adore regarder sur Instagram et partager en story quand vous mettez vos petits spots de visionnage, j'adore regarder. Et ça permet aussi d'aider et de soutenir vos créateurs de contenu. Donc merci, merci, merci de tout cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, pour le réconfort aussi que vous m'apportez. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.